Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance quotidienne dans laquelle nous parlerons du transport à cordes. Alors, dans ce webinaire, nous aborderons les sujets suivants. Nous verrons d'abord les dernières nouvelles de ce magnifique projet, bien évidemment, pour que vous compreniez à quel point nous sommes déjà sur le marché. Nous parlerons ensuite des différents facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes, des risques et sécurité des systèmes de transport actuels et des possibilités et perspectives des systèmes de transport actuels. Du système de transport actuel qui est en train d'entrer sur le marché mondial. Par après, je vous montrerai donc comment vous pouvez contribuer à ce transport écologique et sûr. Nous verrons qu'est-ce que Skyward Community vous offre et ensuite quels avantages perspective vous tirerez de votre participation Alors, comme d'habitude, je suis Donatien Girard et aujourd'hui, donc, je suis content de pouvoir vous parler de ce transport innovant au-dessus du sol qui s'apprête à occuper plus de 50% du marché mondial du transport. J'ai rejoint Skyward Community depuis 2018 et jusqu'aujourd'hui, je continue d'augmenter mes parts dans ce projet parce que j'ai compris que c'est le transport dont nous avons besoin, le transport dont le monde a besoin. Alors, nous commençons par cette offre géniale qui s'achève dès demain, le 28. L'offre Face of the Future qui est prolongée jusqu'au 28 février.
Alors, jusqu'au 28 février à 18h GMT plus 3, vous pouvez faire n'importe quel montant d'investissement avec un escompte de 1 sur 90 et obtenir un hologramme avec votre photo dans le back office Skywalk Community et aussi au musée des Celles en Biélorussie. L'option d'investissement. Alors, ici, il y a un pack qui a été mis en jeu, le pack de 5 000 dollars que vous pouvez payer en cash. Ou bien sur 5 mensualités à raison de 500, sur 10 mensualités autant pour moi, à raison de 500 dollars par mois pendant 10 mois. Donc, investissez donc avec cet escompte élevé. L'offre Face of the Future vous permet d'obtenir 450 000 parts dans le projet. C'est 275 000 parts de plus que pour un investissement pour un pack de 5 000 dollars classique. Alors, Yuskay Transport est la solution idéale pour les entreprises hôtelières et villégiatures. Les transports en commun et la logistique sont sont quelques-unes des nombreuses utilisations possibles du transport Yuskay. Cependant, les solutions de transport de passagers et marchandises peuvent également être facilement intégrées dans n'importe quelle zone de loisirs lors de la planification d'hôtels et de centres de villégiature. Récemment, Jaideep Anand, directeur financier et directeur des opérations du groupe Five Holding, est reconnu par les propriétaires hôteliers du Moyen-Orient comme l'un des Power 50, l'un des plus 50, l'un des Power 50, donc l'un des 50, voilà. Il s'est rendu donc au centre Yuskay pour étudier le fonctionnement des unités d'ingénierie Galadiari Engineering Work et des Assyries. Et en entrant dans le centre d'essai et de certification Yuskay, Jaideep Aman a été intégré par la technologie Yuskay. La tournée Yuskay s'est déroulée dans les meilleures conditions. Des véhicules électriques de pointe, un phare U-Flash à grande vitesse et un U-Car Tropical certifié ont été présentés. D'autres modes de transport innovants ont été décrits en détail et le modèle actuel de la ville linéaire U-City a également été présenté. Au cours de la visite, Jadid Anand s'est assuré que des solutions U-Sky pourraient atteindre, pourrait efficacement être utilisé pour atteindre des objectifs du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Voilà. Un U-House écologique a également été ouvert aux invités, notamment pour Vimal Mohan, directeur de projet chez Five Holdings. Il a manifesté un vif intérêt pour des solutions écologiques utilisées dans le bâtiment du siège du Sky Transport. Au stade de développement actif, Yuskay Transport est intéressé par une coopération fructueuse avec des partenaires fiables dans les domaines les plus prometteurs, dont l'hôtellerie et les services de villégiature. Yuskay Transport donc a tout ce dont vous avez besoin pour réussir vos projets dans ce domaine. Des technologies uniques et des spécialistes de première classe capables de créer une infrastructure de transport de qualité partout dans le monde. Comment donc ce transport peut-il optimiser le transport de marchandises multimodales? La recherche des nouveaux systèmes logistiques et de modèles financiers efficaces est le défi que les entreprises de transport se posent aujourd'hui. Le passage à la multimodalité est le résultat d'une un résultat du retrait de l'industrie en 2020. D'ailleurs, l'utilisation de différents modes de transport au sein d'une même commande permet de résoudre les problèmes complexes et non standards. Cependant, les problèmes d'organisation entraînent des retards et des pertes financières. Les solutions UST peuvent réduire le temps et simplifier le dédouanement à certaines étapes d'une expédition multimodale, du point A au point B. La livraison de marchandises exige aujourd'hui des logisticiens, des capacités organisationnelles spéciales dans le transport multimodal. Plusieurs modes de transport sont généralement impliqués. Par exemple, les marchandises peuvent arriver par mer
puis monter dans une voiture ou un train de chemin de fer et se trouver dans un port pour quitter le pays par l'eau. Cette approche permet d'élargir la géographie, de réduire les coûts, de minimiser les risques et de combiner les méthodes de livraison en tenant compte des intérêts du client final. Un schéma complexe doit être soigneusement élaboré. Chaque maillon ultérieur de la chaîne logistique ne doit pas limiter les capacités et le travail des autres. Cependant, les conditions actuelles dans lesquelles les entreprises de transport opèrent nécessitent une optimisation. Alors que l'industrie des transports tente de formuler des questions de base qui nécessitent une solution extraordinaire, la réponse réside déjà à la surface. La technologie UST est capable de résoudre les principaux problèmes liés au transport. Les étudiants sont les futurs constructeurs et utilisateurs des U-Sky Transport. La coopération avec les établissements d'enseignement est l'une des priorités des activités scientifiques du U-Sky Transport. Après tout, les futurs ingénieurs devraient être recherchés à un âge précoce, même dans les murs du collège. Voilà pourquoi la coopération mutuellement bénéfique entre U-Sky Transport et les établissements d'enseignement mondiaux prend de l'ampleur. Alors, nous parlons donc du U-Sky Transport. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit bien évidemment d'une solution au problème moderne du transport urbain à grande vitesse et à hyper vitesse. Une solution unique, OK? Un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, donnant la possibilité à tout le monde de devenir copropriétaire d'une technologie de transport qui n'a pas d'analogue dans le monde. Il s'agit d'un transport qui permet d'éviter les embouteillages, la pollution et qui peut être conçu sur tout type de terrain. En 1914, regardez l'usine de confiserie russe appelée Eniem, produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi donc qu'il a présenté le monde dans un avenir proche. On voit bien là une estacade ajourée avec un wagon suspendu. Et dans cette illustration, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Ceci, c'est une situation qui nous est familière, quel que soit le pays dans lequel nous vivons sur cette planète. C'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Alors, les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre. Donc, chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, le trafic dense des routes de transport ainsi que la mort des personnes, bien évidemment causée par le manque de sécurité. Deux points clés. Alors, la construction des routes aujourd'hui est un phénomène qui cause beaucoup de problèmes dans la nature. La nature, elle vit sa vie et essaie de résister à l'homme, tant bien que mal. Regardez vous-même. L'homme envahit la nature, il reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue aussi le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Alors, le prochain problème majeur de notre époque, c'est la réduction de la pollution. Donc, c'est la pollution de l'environnement. Il faut savoir que si on passe aujourd'hui à l'électricité, autant pour moi, à l'énergie verte, cela ne résoudra pas totalement le problème de l'écologie. Pourquoi? Parce que le fait de nous connecter à des centrales électriques, à des prises de courant, autant pour moi, nous connecte indirectement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent pour la plupart à partir des combustibles fossiles qui, eux, polluent également l'environnement. L'un des moyens, donc, de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi, c'est celui de réduire la consommation d'énergie.
dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la Terre, au-dessus de la Terre, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes, à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Alors, des tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier en Allemagne. Et de nos jours en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre, en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Et c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais, au grand jamais, été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue roulée par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système du transport. Bien évidemment, il ne faut pas, au grand pas du tout, confondre ce système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur, ils sont simplement tirés sur le sol. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Alors, le transport que nous allons examiner aujourd'hui est un transport qui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, il s'agit du U-Sky, qui est une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires et de ports maritimes et commaisons également. La mise en place donc du système de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme de ce projet. Voici donc à quoi ressemble un U-House, un éco-maison. Et aujourd'hui, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, avant de continuer, fixons-nous le problème clair qui est celui de se déplacer d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface du sol, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, d'échanger la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image. Alors, la prochaine étape, c'est la création d'une fondation multicouche de 2 mètres au moins sous la route. Et seulement à ce moment, nous pouvons rouler, poser le rail et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter les travaux de terrassement lourd, la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, les hommes ont pensé à soulever la route au deuxième niveau en construisant un pont. Alors, rappelons la méthode utilisée par les enfants vus précédemment avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux comme celui-ci, ce que les hommes ont implémenté aujourd'hui, on va plutôt poser le câble, d'accord, pour voir comment le transport à cordes, cette structure de transport, est placée. Les supports lourds n'étant donc plus nécessaires, on les remplace par des supports légers. Ok, on va tirer le câble et fixer dans ses extrémités dans le sol. Et de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare, en levant dans les supports qui n'étaient pas nécessaires au milieu. Et là donc, nous plaçons notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique. C'est ainsi donc à quoi ressemble cette structure de rail unique. Les principaux éléments technologiques sont sur le schéma. La tête du rail, les cordes, qui sont des faisceaux d'acier précontraint, des faisceaux de fil d'acier précontraint. On a les agents de remplissage, un agent de remplissage, autant pour moi, qui est un béton spécial, et le corps du rail, donc l'enveloppe. Sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de trajet rigide, une structure de trajet semi-rigide et une structure de trajet flexible. Voici donc à quoi ressemble la conception intérieure du châssis de ce transport. Nous avons là donc les inverseurs moteurs, radiateur système, la roue moteur, dispositif d'attelage de secours, les batteries d'accumulation et bien évidemment la conception aussi a un système anti-déraillement spécial.
Regardez sur cette image la dimension réelle du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est une image, un montage image, qui permet de voir les vrais haubans qui supportent le vrai pont. Ces mêmes haubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. Et en passant dans ce cas, vous pouvez donc vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Une travée, c'est la distance entre deux supports d'ancrage qui peut être au moins 500-600 mètres. Ok, ceci, ce n'est plus du tout une image montée, mais une vraie image, une vraie photo prise au Centre de recherche et d'innovation technologique de USKAI à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de rails à cordes à ce moment est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie donc que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier sur le rail en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Ça, c'est une photo de moi-même au Centre de recherche et d'innovation technologique USKAI à Sharjah, passant très fièrement devant un Unicar tropical. Alors, il est possible de réduire la charge sur la structure des trajets et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On va donc subdiviser en ce moment la grande composition à wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Ceci est encore un exemple clair pour montrer que ce transport répond clairement aux règles de distanciation et applicables aujourd'hui vu la pandémie à COVID-19. Donc, c'est le transport que tout le monde attend. Avec le développement moderne de la technologie informatique aujourd'hui et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons donc aux photos déjà familières ou plutôt aux moteurs. Okay. Ceci donc est l'une des roues moteurs créées spécialement pour ce transport à cordes. La compacité et la puissance sont non seulement ses avantages, mais il y a aussi sa simplicité. La consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air du véhicule. Alors, lorsque la vitesse du véhicule augmente, sa consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Alors, sur le transport de second niveau, les fuites d'air de dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Alors, voici l'appareil qui vient d'être présenté. C'est le schéma précédent en grandeur nature. Il s'agit d'un UniFlash, UFlash. Pour cette raison, donc, ce UFlash, un transport à grande vitesse, peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est très énorme. Maintenant, donc, rappelons les problèmes liés au transport moderne que nous avons vus, les principaux problèmes. La surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement, la forte consommation d'énergie. Alors, dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes au transport à cordes que USKAI offre en vert. Nous avons donc la solution la plus optimale. Les graphiques ci-contre montrent clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres modes de transport. Et ici, on peut voir une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Donc, nous pouvons dire que le transport USKAI de deuxième niveau est un transport léger, rapide, économique et écologique. Alors, tout le monde peut investir. Nous proposons donc des investissements à partir de 50 dollars. Tout le monde peut devenir copropriétaire de cette technologie. Qu'attendez-vous? Créez votre compte dans le back-office de Skywalk Community et rejoignez-nous. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 investisseurs dans le monde, dans plus de 200 pays.
Et un plan d'investissement pratique est mis sur pied pour vous permettre de payer vos paquets en 5 mensualités. Alors, en participant à ce projet aujourd'hui, que gagnerez-vous? Premièrement, des dividendes de la mise en œuvre réussie du projet. Vous recevrez, autant pour moi, des dividendes, des parts de bénéfices de l'entreprise. L'entreprise a déjà commencé à faire des bénéfices. Nous l'avons entendu de la bouche du CEO lors de son dernier reportage, ce qui est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont copropriétaires de la technologie. Alors, l'entreprise aussi vous permet d'avoir ses actions et de les donner en héritage. C'est votre propriété. Vous pourrez les transmettre en héritage à vos enfants et petits-enfants. La vente d'actions, lorsque l'entreprise sera sur le marché boursier, OK, 6 mois plus tard, vous aurez la possibilité de revendre vos parts en ce moment-là sur ce marché-là. Le au prix nominal minimum qui est de 1 dollar. L'auteur de ce projet, c'est ce monsieur. Un atelier Eduardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de calcul, de recherche et d'expérience pour que sa création voie le monde. OK? Il a mis sur pied une technologie optimale, efficace et sûre. Si ce monsieur était un artiste, un acteur hollywoodien, il serait connu de tout le monde entier, mais dans son monde, dans son univers scientifique, dans l'univers scientifique, il est connu énormément. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site uniski.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour tous ceux qui sont particulièrement curieux. Et aujourd'hui, voilà, plus de 15 modèles de véhicules pour le transport des marchandises et des passagers ont été mis sur pied et certifiés. OK, voilà quelques modèles. Unicont. Le transport sur des rails à cordes, donc, se déplace au-dessus des routes et de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les zones ne sont des obstacles. Il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux. Le transport, donc, à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Aujourd'hui, ce transport, cette technologie a déjà été présente dans plusieurs grands salons d'exposition depuis plus de 7 ans. OK? Et dernièrement, nous étions encore à l'exposition InnoTrans Berlin 2022. Nous avons présenté cet engin, OK? Qui a été présenté par l'autorité des routes et des transports de Dubaï. Donc, ce qui montre la clarté, la légalité de ce transport et la masse adoption de cette technologie. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, va subir de nombreux tests d'essai et les documents qui attestent donc que ce transport a passé les tests peuvent être trouvés sur le site. Et si c'est le certificat que tenait fièrement notre CEO tout à l'heure, qui est le certificat correspondant délivré par TUVSW, certificat de conformité de la technologie. Cette technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine, plusieurs certificats et récompenses aujourd'hui. Il n'y a pas un dixième sur cette diapositive des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les trouver sur le site web. Alors, sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien tel travail titanesque. Voilà pourquoi la société Unisk Steam Technologies a été créée en Minsk, en République de Biélorussie. Et Unisk Steam Technologies aujourd'hui est un partenaire fiable et consciencieux pour les activités commerciales en Biélorussie. Il est inscrit au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie. Donc, dans sa propre production aujourd'hui, il y a plus de 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises et des passagers urbains et interurbains. Les investisseurs aujourd'hui ont permis ensemble, grâce à leur contribution, de pouvoir construire cet éco-technoparc, okay, non loin de la ville de Minsk, en Biélorussie, à Marina Gorka. Chaque année, à l'heure de l'éco-fest, okay, cette année encore, il y aura un éco-fest qui sera probablement à Sharjah. Plusieurs investisseurs vont sur le site et rencontrent l'ingénieur du projet, lui posent certaines questions très, très intéressantes.
Et en septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation du deuxième centre à Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Ce centre d'innovation est un grand groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe US Steel lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez ici ont été prises à Sharjah, au centre de recherche et d'innovation technologique. Alors, les transports aux Émirats Arabes Unis seront. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et que ce transport s'intégrera facilement dans le paysage naturel et ne surprendra plus du tout comme le fait le métro ou le tram aujourd'hui. Donc ce transport est un transport innovant, à haute vitesse, sûr, efficace, surtout intégrable, facilement intégrable et surtout écologique. Voilà. Donc merci bien pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour d'autres nouvelles intéressantes sur le projet. Thank you.